Allez, une fois que j'ai coupé l'herbe, voilà. Maintenant, je vais passer le coup de râteau, évidemment, pour faire propre. Mais il y a aussi les jardinières à faire. Voilà. Donc, je vais enlever toute l'herbe qu'il y a dans les jardinières. De là, j'ai un petit creux. Non, ce n'est pas que j'ai faim. En fait, ici, il y a comme une petite cuvette. Il n'y avait pas assez de terre. Et je vais justement mettre la terre pour que ça soit de niveau. Voilà, donc, parce que sinon, à chaque fois, il y a de l'eau qui reste là. On entend les petits oiseaux. Donc là-bas, il y a trois bungalows. Hein. C'est pour ça que je vous dis, je vais faire vraiment quelque chose de très, très, très joli ici. Voilà. Je vous montre un peu. C'est bien de vous montrer avant et après. Donc là aussi, il y aura des plantes, il y aura des... J'ai commencé à mettre des plantes, j'ai commencé à mettre des oiseaux de paradis, des rouges, et je vais avoir des jaunes aussi. Donc il y aura un mélange de rouge et de jaune. Voilà, donc la petite terrasse là-bas, évidemment. Voilà. Et le coin là-bas, c'est le spa. Donc voilà ce que j'ai à faire aujourd'hui, tranquillement, tranquillement, tranquillement. J'aime bien cette haie. Elle sera plus jolie quand elle sera grandie. Donc évidemment, c'est des cocotiers. J'ai planté aussi des franches paniers, voilà, des blancs et des roses au milieu des palmiers et des cocotiers. Les palmiers bambous, ce que j'appelle moi les palmiers bambous, sont là. Ils sont très très hauts. Donc vous pouvez voir, voilà. Donc les plantes que je mets dessous, c'est ceux qui craignent justement le soleil. Et c'est ceux qui aiment l'ombre. Alors que ce soit les fougères, que ce soit, je vais vous en montrer quelques-unes. Enfin, pas de fougères, si, quoique. Voilà. Regardez les plantes que je mets. Voilà. Des blanches, il y a des rouges. Voilà. Alors, il y a aussi ça. Bon, là, il faut que je désherbe, évidemment. Là aussi, j'ai planté des... comme ça. J'ai planté aussi des bananiers. J'en ai mis deux ici, un là et un là-bas. Donc, j'aurai des bananes et j'aurai, voilà, ce que j'ai planté là. Et ça avait des couleurs rouges, de toutes les couleurs. Et voilà un petit peu comment je vais arranger. Voilà, voilà. Dans mon travail, coup de râteau, les jardinières, je ferai propre et je vous ferai... Parce que là... Évidemment, j'ai travaillé ma traie, donc il y a des morceaux de bois qui sont tombés. Eh oui, donc nettoyage. Tranquillement, je le fais tranquillement, à mon temps. Voilà, j'ai tout mon temps pour le faire. Donc vous voyez, il y a une pente là, et ce que je veux, c'est que justement la pente, elle vaille de l'autre côté, parce que l'eau, comme ça, elle peut sortir du côté bassin là-bas. Voilà. Donc voilà un petit peu comment ça va se faire. Après, par la suite, je vous le dis franchement, si ça se fait assez rapidement, je mettrai que du béton, quoi. Mais quand je dis du béton, c'est pas ça. Il y aura des chemins avec des pierres, avec des choses comme ça, dans style jardin tropical. Voilà, ce coin n'est pas fini, mais c'est un coin qui va être vraiment, vraiment très, très beau.